Père éternel et tout-puissant, nous voulons te dire merci pour cette nouvelle journée merveilleuse et ensoleillée. Nous avons décidé, Papa Céleste, de consoler aujourd'hui tous nos frères qui ont perdu quelqu'un, un membre de la famille, et qui ont eu mal, qui ne réussissent pas à se défaire du mal. Papa Céleste, cette communion de consolation a pour but d'apporter la paix, de consoler les veuves et les orphelins qui subissent les injustices de la société, de leur dire que tu es présent et que toutes les injustices commises à leur endroit ne demeureront pas impunies, tel que toi-même tu as dit, « Je suis le Dieu d'Israël, Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. » Et je te suis très reconnaissant de nous avoir permis de penser à ses frères, de penser à les soutenir dans les douleurs qui les rongent. Un tel qui a perdu la maman, un tel qui a perdu le papa, une telle qui a perdu le mari, un tel qui a perdu la femme, une telle qui a perdu la fiancée, le fiancé, un tel qui a perdu sa fiancée. Un ami qui souffre de l'absence d'un autre ami, une amie qui souffre de l'absence d'une autre amie, ou un ami qui souffre de l'absence d'une amie, un enfant qui souffre de l'absence d'un parent, ou un parent qui souffre de l'absence de l'enfant. Je te suis infiniment reconnaissant parce que l'ordre que le Seigneur Jésus nous a donné avant de partir, c'est que l'amour est l'insigne du christianisme et que nous devons nous aimer les uns les autres. C'est à cela qu'on reconnaîtra que nous sommes les disciples de Jésus-Christ. Par ailleurs, l'apôtre Paul nous a enseigné et nous a exhorté à porter les fardeaux les uns les autres. Et ce n'est qu'ainsi que nous pouvons accomplir la loi de Dieu. Seigneur, notre Père Tout-Puissant, nous te remercions parce que ces valeurs ragaillardissent les hommes. Nous te sommes reconnaissants parce que ces valeurs et ces conseils fortifient ceux qui ont les mains languissantes, transforment en forts ceux qui sont faibles, transforment en hommes ceux qui, Père éternel, ont eu des comportements inconstants et flexibles. Je te suis infiniment reconnaissant parce que tu nous aimes. Ô Dieu de miséricorde, la mort ne t'a jamais honoré. La maladie ne t'a jamais honoré. Et nous avons la certitude que toi, tu souffres comme nous lorsque nous souffrons. Nous te sommes très reconnaissants et sommes compatissants parce que nous savons que le jour où tu as perdu ton fils unique, bien que sachant que tu le ressusciterais, ton cœur a vibré parce que ton rêve de tous les âges, de tous les temps, selon la Bible, c'était d'avoir des enfants. Mais aujourd'hui, Père, tu les as par la famille d'Abraham. Ils sont innombrables, ils sont nombreux, comme toi-même tu as dit, comme le sable de la mer, comme les étoiles du ciel. Viens donc au secours de notre incrédulité et viens nous consoler, viens consoler nos cœurs. Nous savons que tu es un Saint-Esprit
que tu es un esprit trois fois saint. Et nous savons que le Saint-Esprit est là. C'est pourquoi nous voulons chanter avec toi. Avant de dire quoi que ce soit d'autre, ou de clore cette prière, nous voulons chanter pour te remercier et te dire notre engagement, notre fermeté dans notre cœur, te dire que nous sommes heureux d'être tes fils, parce qu'être ton fils ne souffre d'aucune contrainte. Et tu es un Dieu qui n'attend rien de nous, sinon de te dire merci. Le Saint-Esprit est là. Père éternel et tout-puissant, nous voulons te dire merci de ce que tu as dégagé nos cœurs et de ce que nous pouvons, dans la paix, nous étant débarrassés de lourdeurs de ce matin, attendre de recevoir de toi la bonne goutte, celle qui débordera jusqu'à la vie éternelle, et que nous te disions merci, et que nos prières soient exaucées. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ, amen. Amen. Veuillons nous asseoir. Bien, et nous profitons de l'occasion pour mettre nos téléphones portables ou de les éteindre pour éviter de perturber la communion. Nous allons à présent passer aux manifestations du Saint-Esprit qui sont les moments pendant lesquels nous recevons les messages de Dieu ou de la part de Dieu. Je vais appeler ici quatre prophètes à se mettre debout pour nous donner deux parler en langue avec interprétation et deux prophéties. Soyons tous attentifs aux divers messages qui nous seront donnés. Deux parler en langue avec interprétation et deux prophéties. Iriel vere bere gede zeke shteke seke le miri. Kalaka tavara bara godo zoko shoko. Sele mele kete miri niri loriolo. Il est le Dieu d'amour, le Dieu de paix, le Dieu de consolation. Il a promis de ne point vous abandonner et de ne point vous délaisser. Quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, déchargez-vous sur lui de tous vos fardeaux et sa paix, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs en Christ Jésus. Il vous aime. Iskala reke deori kado koshimi reke dari dakazi kistami de kezari. Dili rigastari kado koshimi reke dari. Kosto dolorigasta diri kiri koza kastami deri kora kaderi. Je suis l'Éternel, votre Dieu. C'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai tatoué sur ma paume de main. J'ai sacrifié mon fils pour vous. Demeurez donc dans l'amour, vivez dans l'amour et soyez convaincus que moi, votre Dieu, je resterai au milieu de vous. Je vous aime. Venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Je vous ai dit que je vous aime. Restez dans ma parole, parce que ma parole vous fortifie. Je vous aime. Je suis le Tout-Puissant. Je sonde les cœurs et les reins. J'élève les humbles et j'abaisse ceux-là qui, dans leur comportement, ne me glorifient pas. Évitez que la convoitise, l'orgueil, la méchanceté, la colère soient votre style de vie. Priez donc sans cesse afin que vous soyez loin du péché et vous loin du péché pour m'être agréable. Père éternel, nous voulons en ce moment précis te remercier pour ce que tu nous as permis, Père éternel, de transmettre ces messages. Veille donc, ô Père éternel, que ces messages restent gravés dans les intelligences, Père éternel, de tes enfants ici rassemblés. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen.
Bien, nous passons à la prière pour l'enseignement. Je veux demander à l'ancien Papa Bidias de se mettre debout pour la lever au nom de toute l'Assemblée. Nous prions. Éternel, notre Dieu, notre Roi, te rendons infiniment reconnaissants ce matin pour tous tes enfants qui sont entrés aujourd'hui ici pour venir se nourrir de ce pain spirituel, parce qu'il est écrit dans ta parole que l'homme ne vivra pas que seulement de pain spirituel. De pain seulement. Ouvre donc les oreilles d'entendement, éternel Dieu Tout-Puissant, pour que cette parole qui va sortir de la bouche de ton doigt, mon Dieu, mon Roi, puisse être gravée dans les corps de tes enfants pour les fortifier, les édifier, Père éternel. Parce que tu dis dans ta parole que je n'ai pas honte de l'évangile, c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Je te rends donc grâce et je te dis merci, parce que cette parole va, mon Dieu, mon Roi, fleurir dans les cœurs de tes enfants, éternel Dieu Tout-Puissant. C'est au nom de Jésus-Christ que je t'ai prié. Amen. Bien, nous passons à l'enseignement du jour. Révérend, vous allez vous lever, reprendre la parole pour l'enseignement du jour. Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Nous voulons réjouir les cœurs de ceux qui souffrent. Et la parole de Dieu dit, soyez toujours dans la joie. C'est 1 Thessaloniciens 5:17. Avant donc d'enseigner ce que je vais enseigner ce jour, je voudrais qu'on danse un peu. Ça n'entre pas dans mes habitudes de faire danser au moment où nous rentrons dans l'enseignement. Mais je voudrais que les cœurs soient dans la joie, comme le Père nous exhorte en Thessaloniciens. Parce que nous allons parler d'un domaine lugubre, le domaine de la mort. Et beaucoup de gens ne connaissent rien de la mort. Ils font des projections de leur tradition dans la maison de Dieu. Nous allons voir aujourd'hui ce que la Bible dit véritablement au sujet de la mort. Si la mort est la voie qui nous mène à Dieu ou si la mort est un ennemi. Nous allons étudier ça aujourd'hui. Si les cultes qu'on voue aux morts, les samedis, les prêtres envoient les gens, les pasteurs envoient les gens au ciel, si c'est la parole de Dieu ou bien les traditions religieuses qui sont entrées dans le christianisme. Mais avant, on va louer Dieu avec mon 33 tours que j'aime beaucoup. On va louer Jésus-Christ. Jésus n'est pas Dieu, il est fils de Dieu. Maintenant que nous avons la victoire, nous pouvons enseigner sur la défaite de Christ. La victoire de Christ, c'est la résurrection. Ce n'est jamais la mort. La mort de Christ, c'est l'échec, l'humiliation. C'est notre salut à nous. Oui, c'est notre salut. Mais ce salut n'aurait aucune force si Christ n'était ressuscité d'entre les morts. Pour nous montrer qu'il y a un espoir après la mort et que nous pourrons revivre en lui. Mais pour le moment, est-ce que cela est-il disponible? La mort est un phénomène social qui est à l'origine de beaucoup de souffrances et de désordres. Les membres de la famille et même les amis sont très souvent affectés par la disparition d'un des leurs. La femme, par exemple, dans la société africaine en général, et dans certaines tribus en particulier, subit d'énormes injustices à la suite du décès du mari. Elle subit des accusations et des brimades de tout genre, et même des profiteurs, ceux même qui la convoitaient au sein de la famille,
elle suit des brimades et même ailleurs. La réputation qu'on lui attribue la précède. Les enfants dans cet environnement hostile ne sont pas épargnés des convoitises des renards, des loups qui profitent de leur fragilité. Ils deviennent surtout la proie des proches parents cupides en quête d'héritage. Les désordres ou déséquilibres qui caractérisent les familles des défunts ne sont pas des moindres. Dans certaines familles, les hostilités commencent entre les membres dès l'annonce même d'un décès. Les proches parents envahissent la maison du mort, scellent les pseudo-chambres du trésor, se partagent les vêtements du défunt, les voitures, etc., prenant ainsi de force ce qui de droit ou revient à la veuve et aux enfants avant même que les obstacles n'aient commencé et ne soient terminés. Et ce n'est rien en comparaison de ce qui surviendra un peu plus tard. Pendant l'absence du défunt, ces enfants sont parfois et tragiquement voués à devenir des bandits et la veuve ou les veuves à devenir des prostituées pour pourvoir aux besoins de leurs enfants. La mort et son cortège de doléances sont si poignants qu'il nous a semblé utile de prendre à cœur ces souffrances, pour ne pas dire ces horreurs, afin de consoler ceux qui les subissent, les libérer des douleurs possessives qui en découlent. Certaines douleurs deviennent des possessions. Et afin, enfin, exprimer le point de vue de Dieu quant à la mort, ce qui, de manière implicite, est de donner la connaissance au Fils de Dieu. Donc, pour ce faire, c'est-à-dire pour atteindre ces objectifs, notre propos va s'articuler autour de plusieurs points. Dans un premier temps, nous définirons la mort selon le point de vue biblique. Puis, deuxièmement, nous verrons si les morts sont conscients. Une articulation ou un autre point sur lequel nous pèserons consistera à parler d'une éventuelle survie après la mort. Je crois que, comme introduction, j'ai pu donner les grands axes que nous allons suivre. Mais comme un culte ne dure pas de manière indéterminée, nous allons choisir certains de ces actes, de ces axes, et probablement enseigner des autres en ligne, comme conférence au sujet de la survie après la mort. Comme premier point de notre chapitre, nous allons introduire qu'est-ce que la mort. Il y a certainement plusieurs définitions. La mort est la fin de l'existence de l'homme. La mort est la fin de l'existence de l'homme. Les dictionnaires la définissent comme la fin de l'existence terrestre de l'homme. Ce qui veut dire qu'ils mettent de l'emphase sur le mot terrestre. Ça dit qu'on peut
on peut cesser de vivre sur la terre et vivre dans d'autres dimensions. Et ça, selon les dictionnaires qui respectent naturellement les croyances sociétales à travers le monde. Donc, cela suppose qu'on peut vivre dans une autre dimension. Mais, dokimato, j'aime bien ces mots, qui met en contraste ce qui précède et ce qui suit. La Bible démontre que la mort est la fin de l'homme. C'est-à-dire que c'est terminé. C'est, je vais ponctuer, terminé. C'est le mouvement contraire à la venue, à l'existence de l'homme. Et je voudrais que nous ouvrions tous les Bibles en Genèse 2 et au verset 7 pour apprécier ce que Dieu parle, la mécanique de Dieu qui amène l'homme à la vie. Vous allez certainement noter ces articulations. Numéro 1, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Action numéro 2. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Action numéro 3. Si on devait parler en termes mathématiques ou des sciences positivistes, on parlerait de terre plus souffle de vie égal à être vivant. C'est ça que Dieu dit. Et la question qui me vient en esprit pendant que j'expose ces faits est la suivante. Quand Dieu formait le corps de l'homme, les organes de l'homme, tout l'appareil de l'homme, est-ce que l'homme était conscient de son existence? La parole dit non. Où était l'âme? Elle n'était pas dans l'univers. C'est quelqu'un, le fabricant, qui invente cette chose-là. Et qu'est-ce qu'il fait comme deuxième articulation après avoir formé le corps? Qu'est-ce qu'il fait? Il souffle dans les narines un souffle de vie. C'est une vérité littérale comme elle peut être une vérité figurative. Les jeunes qui viennent de faire le cours biblique le savent. Que quand nous lisons la Bible, nous devons voir ce qui est écrit devant nous sous plusieurs formes. Et nous devrions nous poser la question suivante. Est-ce une vérité littérale? C'est-à-dire, est-ce que ce verset dit bien ce qu'il veut dire ici? Parce qu'on peut aussi parler avec circonlocution, par image. Nous avons une très grande chanteuse camerounaise qui nous a enseigné comment on parle avec circonlocution. Qui peut citer son nom? Katino, la grande Katino. Les vérités qu'elle exprime ne sont pas les réalités qu'elle veut démontrer. Elle dépeint les réalités sous une forme, une autre forme. Ah, ne touche pas à ma chatte. Si tu touches à ma chatte, ne touche pas à sa queue. Littéralement, est-ce que c'est une chatte? Oui. Mais la vérité que Katino veut traduire, c'est quoi? C'est une image. Hein? Elle objective d'autres parties du corps qu'elle appelle d'autres noms. Et ça devient une allégorie ou une vérité analogique. C'est compliqué. Nous ne voulons pas entrer à l'université ici. Nous sommes dans la céleste cité. Et nous parlons un langage spirituel que les enfants de Dieu peuvent comprendre et non un langage académique. Donc face à
un verset, il faut se poser la question, est-ce que ce verset dit ce qu'il dit? La parole dit que David était vieux et on alla chercher une petite fille pour la réchauffer parce que même les couvertures ne réussissaient pas à le chauffer. Est-ce une vérité littérale ou une vérité analogique? C'est ça qu'il faut toujours se poser comme question. Les simples voient une vérité comment? Littérale. C'est-à-dire que c'est ça que les gens comprennent. Mais voilà, mais ça c'est une figure qui n'a rien à voir avec ce que tous les gens pensent. Et ça c'est important quand vous lisez la Bible. Les vérités littérales, les vérités analogiques. Une autre question même qu'il faut poser c'est, est-ce que c'est une figure de rhétorique? Parce qu'on peut utiliser un langage qui semble dire des choses qui ne sont pas dites. Prenez par exemple le fameux verset de Genèse qui dit « Puis l'Éternel Dieu dit, faisons l'homme à notre image. » Pour les trinitaristes ou ces gens qui veulent faire dire que Dieu est un en trois, ils nous disent que « faisons ». Dieu est en train de dire à qui? À Jésus-Christ que le moment est venu de former un homme à notre image. Mais ce n'est pas vrai. Ça, c'est une figure de rhétorique. Et ceux qui étaient à l'école biblique savent que c'est quelle figure? La hétérosis, qui est le nous de majesté. Quand un roi veut prendre une décision importante, il utilise la figure nous, comme s'il était avec quelqu'un pour décider. Quand Popol dit là-bas en haut, nous avons décidé. Il décide avec quelqu'un? Non. Il met l'emphase sur la décision. C'est une figure de style. C'est la linguistique. On appelle ça une figure de rhétorique. Et son nom, la formulation de cette figure, c'est la figure quoi? Hétérosis. Hein? Il y a des choses comme ça dans la Bible où les gens lisent, par exemple, au commencement était la parole et la parole était Dieu et la parole était avec Dieu. Et les trinitaristes veulent toujours démontrer que la parole c'est Jésus-Christ et que Jésus-Christ est Dieu et avec Dieu. Or, si vous avez fait linguistique, vous savez que cette figure, c'est la figure grecque antanaklasis. La antanaklasis utilise les mêmes mots, mais pour démontrer des vérités différentes. C'est-à-dire, par exemple, prenons la antanaklasis qui est utilisée communément. Le cœur a ses raisons que la raison ignore. Vous voyez, on utilise raison, mais ces mots raison ne signifient pas la même chose. Le cœur a ses raisons. Raison ici, c'est les motifs, les motivations. Que la raison est un concept philosophique, une articulation à réfléchir, non? Que la raison ignore. Tout ceci est important lorsque vous lisez la Bible. Mais comme nous ne sommes pas dans un cours d'exégèse, ou bien dans un cours où nous vous montrons comment la parole de Dieu s'interprète elle-même, nous allons nous limiter au strict minimum pour montrer les choses de manière simple. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. C'est une vérité littérale. Parce que j'ai vu dans National Geography des savants qui mettaient des corps sans les enterrer. Lorsque les gens mouraient, ils ont fait un jardin public où ils venaient jeter les corps. Parce qu'ils voulaient voir la forme, comment les asticots se forment dans le corps. Hein? Et ils étudiaient après ces particules décomposées de l'être humain. Et ils se sont aperçus en définitive que le corps humain était composé pratiquement des mêmes constituantes de la terre. On est d'accord?
Et c'est d'ailleurs ce que Dieu dit. Tu es poussière, tu fais quoi? Tu retourneras à la poussière. Et si après des années, on va fouiller dans un cercueil ou bien dans une tombe pour rechercher Bélibi dans la tombe, on ne va voir que la terre et quelquefois des os. Ouais, des bébés, s'il vous plaît. Ce n'est pas fait pour les bébés. Des enseignements comme ceci, vous vous éloignez. Et ça, c'est le travail des diacres. Vous mettez à l'écart pour permettre aux gens d'écouter. Il y a l'école de dimanche là-bas derrière. Bon, c'est une manière de rechercher la tranquillité. Donc, nous avons donc cette articulation que je vous donne pour étude, pour leçon. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Nous ne savons pas de quoi, de quelle matière est constitué le souffle. Mais nous savons, lorsqu'on a observé les animaux et les hommes en phase terminale, quand ils s'en vont, ils lâchent une dernière respiration qui donne effectivement l'impression qu'il s'agit d'un souffle. Mais il y a un livre dans la parole de Dieu qui nous montre ce que c'est. C'est le livre de Lévitique. Lévitique, chapitre 17, au verset 11. Lévitique 17, 11. Vous y êtes? Nous sommes en Genèse, Exode, Lévitique, Nombre. En Lévitique, chapitre 17 et au verset 11, Dieu nous explique comment est-ce qu'il a construit l'âme et où se trouve l'âme dans la vie de l'être humain. Et il nous dit en Lévitique, chapitre 17 et au verset 11, je vais citer, « Car l'âme de la chair est dans le sang. » L'âme de la chair est où? Dans le sang. C'est Dieu qui nous dit. Et ça a été démontré lorsqu'on met des garrots sur certains membres. Si vous laissez un membre sans qu'il ne soit irrigué par le sang pendant un nombre de minutes, une période de temps, il arrive à ce membre ce qu'on appelle généralement en médecine la gangrène. Je crois qu'il y a des médecins ici qui connaissent mieux ça, mieux que moi. Et généralement, la suite, c'est quoi? On ampute la partie dans laquelle le sang n'a pas circulé. Vous voyez donc que Dieu dit bien ce qu'il veut dire. L'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes. Car ce n'est pas l'âme que le sang, ce n'est pas par l'âme que le sang fait l'expiation. Fin de citation. Le Créateur explique sa mécanique pas à pas. Il dit que l'âme se trouve où? Dans le sang. Bon, et lorsque les gens meurent et que le sang ne circule pas, qu'arrive-t-il à l'âme? Elle meurt. Or, qu'est-ce qu'on nous a fait croire parce que les gens vont à l'astral? Satan a inventé une science qui consiste à sortir de son corps comme l'eau sort d'une éponge. Vous voyez, non? Vous avez imbibé une éponge d'eau, puis vous l'essorez, c'est-à-dire vous pressez l'éponge, et qu'est-ce qui se passe? La quantité d'eau qui est dans la même quantité d'eau qui est dans l'éponge sort. Et les satanistes, dans des écoles d'exotérisme, ont montré à l'homme comment on sort de son corps. Et l'une des techniques, justement, consiste à penser qu'on est une éponge et qu'on sort de son corps, et généralement, quelques-uns sont surpris de planer dans l'espace. Lorsqu'ils se retournent, ils retrouvent eux-mêmes étant couchés en même temps sur le lit. Je ne vous demande pas d'aller le faire, parce que vous aimez les expériences. Vous risquez de ne pas revenir dans votre corps, et on va vous enterrer vous-même regardant comment on vous enterre. Ce qu'on appelle communément le con. Ça se comprend? Nous expliquons la sorcellerie, c'est notre matière. Ça va? C'est bon? On continue ou on ne continue pas? On vous rabâche les oreilles, n'est-ce pas? Ah bon, ok.
OK, comme dit notre directeur. OK. Well. Donc, nous allons continuer. Vous voyez donc que certaines pratiques diaboliques ont donné l'impression que l'âme est comment? Immortelle. Mais ce n'est pas dans le corps astral, ce n'est pas l'âme qui décide de voyager. Qu'est-ce qui décide de faire voyager l'âme? C'est le corps. C'est moi qui dis que, bon, je vais sortir de mon corps. Ce n'est pas mon âme qui me demande. C'est moi qui fais l'effort mental de croire que je suis sorti pour sortir. Donc, l'âme par elle-même n'a pas de force. L'âme a besoin des opérations de l'intelligence humaine pour être disciplinée comme font les satanistes. Il est donc évident que si le cerveau finit par mourir et que le sang ne circule plus, que l'âme devienne comme quoi? Comme une source d'électricité qui a tari parce que le générateur a fait quoi? Parce que le générateur n'est plus branché à ça. Donc, c'est pour cela que nous sommes très reconnaissants à Dieu lorsqu'il dit « C'est moi qui fais battre ton cœur ». Parce que si l'homme devait faire battre son cœur pendant qu'il dort, il ne dormirait jamais, puisque son cœur s'arrêterait pendant qu'il dort. Alors Dieu prend la relève que les scientifiques appellent des mouvements réflexes et tout ça qu'ils veulent expliquer. Mais je reconnais que Dieu dit bien ce qu'il veut dire. Il dit, c'est moi qui fais battre ton cœur. Applaudissez pour Dieu. Et rendez-lui grâce. Parce que le simple fait, moi j'ai vu ma maman dans les derniers jours quand ma maman était à l'article de la mort. Elle avait peur de dormir parce qu'elle savait bien qu'elle allait partir, elle allait mourir. Alors elle vivait dans l'insomnie, elle refusait de dormir. Vous savez ce que ça veut dire de refuser de dormir, hein? Donc rendez grâce à Dieu si vous pouvez dormir. C'est une bénédiction, vous dormez et vous vous réveillez. Et un jour ma mère a dormi, elle ne s'est plus réveillée. Paix à son âme. Ce sont des difficultés que les gens rencontrent. Vous savez ce que ça veut dire quand vous assistez avec un appareil d'oxygénation? Vous ne respirez plus vous-même. Mais il y a un poumon artificiel qui met l'air dans votre corps. Vous savez ce que c'est? Non, vous ne pouvez pas imaginer ça. Pourtant, un grand chef supérieur, Betty Ewundo, avait dit, comme les temps sont très mauvais, il faut apprendre à vivre comme les autres. Si vous voyez quelqu'un qui a un œil, vous aussi fermez l'œil et voyez ce qu'il peut endurer en voyant avec un seul œil. Sinon, vous ne comprendrez jamais que quelqu'un a un seul pied et il réussit à se déplacer. Comment? Avec son pied, son seul pied. Vous aussi, pliez votre pied et essayez de vous déplacer avec un pied. Vous verrez qu'on ne devrait pas critiquer celui qui n'a pas deux pieds. Parce qu'il est un handicapé et il fait des efforts surhumains pour pouvoir marcher. Dans l'univers africain, on est enclin à la critique. Vous avez un problème, on vous critique. Vous êtes malade, une maladie qui est normale, on se moque de vous parce que vous êtes malade. Dès qu'on apprend que vous avez la chaude pisse, on se moque de vous. On apprend que vous avez le sida, ça devient une fatalité. C'est comme si vous êtes allé acheter quoi? Le sida pour amener, vous voyez des gens qui vous regardent dans la famille et qui disent des petits mots, des petits sons, ils font des petits sons et des petits gestes pour vous marginaliser. Ça fait partie de l'univers africain. Ils ne cherchent pas à comprendre ce que vivent les autres, mais ils tournent en dérision les souffrances de qui? Des autres. Aujourd'hui, on va vous faire un témoignage d'une de nos croyantes à Paris. Une de nos croyantes qui a envoyé un témoignage de combien de pages là? Plus de 5 pages. Plus de 5 pages que nous allons vous lire parce qu'elle a demandé, qu'on lise ce témoignage là pour vous. C'est une de nos croyantes qui a parlé 1 page, 2 pages, 3 pages, 4 pages, 5 pages, 6 pages d'acti. Le graphier et le colonel va se retrouver dans ça. Et moi, d'ailleurs, puisque nous avons vécu ça à Paris, nous étions ensemble, on n'a jamais su ce que c'était. Mais aujourd'hui, on saura, lui découvrira ce que c'était et pourquoi ses comportements
Ça, c'est une croyante qui nous écrit et qui est très reconnaissante à la parole de Dieu que nous lui avons enseignée via l'Internet. Ah, et c'est ça qui l'a motivé à nous donner son témoignage. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est que la mort? Nous sommes revenus là, nous avons vu que c'est le mouvement contraire à quoi? À la vie. Dieu souffla, Dieu forma l'homme. Il souffla dans ses narines, l'homme devint. D'accord? Maintenant, le souffle fait quoi? Il s'en va. L'homme n'est plus un être vivant. La chair reste, et qu'est-ce qui se passe? La chair rentre à la poussière, et c'est terminé. Et c'est de ça qu'il est question. Et le comble de cet enseignement, c'est que Dieu, quelque part, l'homme est imbu de lui-même. Et Dieu nous montre la vérité dans le livre d'Ecclésiaste. Vous qui croyez que vous êtes supérieur aux animaux, écoutez ce que Dieu va dire dans le livre de l'Ecclésiaste à propos de l'âme. Hein? Ecclésiaste chapitre 3. Je cite Ecclésiaste chapitre 3. Dans Ecclésiaste chapitre 3 et au verset 19, écoutez ce que la parole de Dieu dit. Car le sort des fils de l'homme et celui de la bête sont pour eux un même sort. L'homme et la bête ont un même sort. L'homme et la bête, l'homme qui n'a pas l'esprit de Dieu et la bête ont un même sort. L'homme qui se targue, l'universitaire qui se targue, l'intellectuel qui se targue, mais qui n'a pas quoi? L'esprit de Dieu ne diffère en rien de la bête. Et c'est ça que Dieu dit. Comme meurt l'un, ainsi meurt l'autre. Ils ont un même souffle. Ils ont quoi? C'est la relation d'égalité ou bien de semblance, de ressemblance. C'est l'égalité. Ils ont un même souffle. L'homme et la bête ont un même souffle. Et la supériorité de l'homme sur la bête est nulle, car tout est vanité. Comme meurt l'un, ainsi meurt l'autre. Mais c'est curieux. Regardez comment nous prenons soin de nos dépouilles. Nous allons même jusqu'à leur dire des messes pour que Dieu soigne leur âme. Mais si je lis la messe à M. Belibi, je devrais dire la même messe à Mimi, mon chien, ou à Jacques, mon chat. Parce qu'ils ont même quoi? Un même souffle, incroyable, mais vrai. Un même. Dis à ton voisin, tu as un même souffle que le chien. Tu as un même souffle que la bête. La supériorité de l'homme sur la bête est une vanité. Comme meurt l'un, ainsi meurt l'autre. Vous avez vu l'homme mourir par un accident de circulation? Il diffère du chien qui meurt en route. Et c'est ça qui fait réfléchir. Et ça, ça m'a vraiment fait réfléchir. Vous devez donc vous remercier Dieu d'avoir reçu son esprit. Remercier Dieu d'avoir reçu son esprit. C'est l'esprit de Dieu qui fait de nous des êtres différents des animaux. D'ailleurs, Ésaïe 43, 7 dit, « Tout ce qui s'appelle de mon nom, que j'ai créé pour ma gloire, formé et fait. » La partie que Dieu crée est ce qui ressemble à Dieu. Dieu est esprit. Il crée l'esprit et il crée l'esprit pour sa gloire. Waouh, qui a l'esprit de Dieu? Applaudis pour toi-même. Et ce sont des choses que les autres ne comprennent pas. Et c'est ici que Ecclésiaste dit tout est quoi? Vanité. Tu crois être grand. Tu te construis des immeubles pour paraître grand devant les autres. C'est la même logique de la bête. Il se construit ses terriers et il marque son territoire de gouvernement. Vous franchissez son territoire, il vous frappe de la même manière que l'homme. Puisque l'homme réfléchit et est capable de faire ses funérailles, il croit qu'il est supérieur à qui? À la bête. Parce que la bête ne fait pas ses funérailles. C'est une illusion très, très grave. Chaque fois que j'ai enseigné ceci,
Des gens m'ont regardé comme un extraterrestre. Voilà. Vous voyez donc que la supériorité de l'homme sur l'homme animal de 1 Corinthiens 2:14. Mais l'homme animal ne comprend pas les choses de l'Esprit de Dieu. Elles sont quoi? Une folie pour lui, et c'est spirituellement qu'on en juge. Pose-toi la question, est-ce que j'ai l'Esprit de Dieu? Et comment le savoir que tu l'as? Il n'y a qu'une seule manière de le savoir. Quand ils reçurent l'Esprit, ils se mirent comment? À parler en langue. Si tu ne parles pas en langue, moi je n'ai pas la certitude que tu as l'Esprit de Dieu en toi. Tu es peut-être un décomaï, mais tu n'es pas un lambanisant. Hein? N'est-ce pas fantastique? Voilà. Maintenant, donc, nous avons défini la mort. Nous savons sans l'ombre d'un doute ce que c'est que la mort. C'est la fin de l'existence matérielle de l'homme et l'existence matérielle et l'essence même de la personne. Mais les religions nous ont enseigné qu'il y a la survie après la mort. Et beaucoup de gens entre nous ont fait des expériences dans des villages avec des morts. Certains ont vu leur grand-père dans les rêves qui leur a conseillé un médicament. D'autres se sont sentis à l'article de la mort et ont vu un parent éloigné qui était mort, qui est venu les sortir de la file pour leur dire non, éloigne-toi, c'est pas... dans certaines parties de la République, ici, au Cameroun, nous avons des phénomènes où si quelqu'un meurt, vous pouvez aller moyennant un rituel et vous entendrez, il va vous dire de quoi est-ce qu'il est mort. Ça, c'est le Nord-Ouest. Certaines tribus initiatiques le font. Bon, maintenant, est-ce que c'est celui qui est mort qui le fait? C'est pour cela qu'on dit que la survie après la mort est du domaine spécial de la sorcellerie, de l'extrasensoriel, du supranaturel. Et la communication qui peut exister entre les vivants et les morts, c'est une crypto-communication qui n'est pas forcément avec celui qui est mort. C'est pourquoi c'est là que j'ai dit que c'est très vaste le domaine de la mort s'il faut l'enseigner. Il y a des textes comme la parabole de Lazare qu'il faut expliquer. Est-ce qu'une parabole est une vérité littérale ou bien une vérité imagée? Il y a par exemple Enoch qui a été enlevé. Est-ce qu'en l'enlevant, il est parti au ciel? Puisque Jésus dit en Jean 3, 13 que personne n'est jamais monté au ciel si ce n'est lui qui en est descendu. Est-ce que Élie, lorsqu'on a enlevé Élie, est-ce que Élie est véritablement allé au ciel? Ce d'autant plus que Hébreu dit que eux tous, ces grands hommes, sont morts, quoique étant enlevés. Il y a donc des domaines qu'il faut investiguer. Par exemple, quand on lit l'Évangile, on voit que quand Jésus est ressuscité, certains qui étaient morts bien avant, on les a vus dans la ville. C'est une vérité littérale ou une vérité par anticipation ou une figure de personnification. Les morts sont-ils vivants? C'est à cela qu'il faut répondre. Et nous allons commencer la deuxième articulation de notre étude. C'est une méthode, hein? C'est une méthode de recherche scientifique. Je crois que les scientifiques ici, il y en a. Il y a par exemple le docteur Kuna, qui connaît bien la méthode, ce que nous appelons la méthode scientifique. La connaissent, beaucoup ont écrit des thèses ici ou bien des mémoires. Ils savent ce qu'on appelle une méthode scientifique. Ça s'apprend. Donc la deuxième articulation que nous allons utiliser ici est la question, les morts sont-ils conscients? Sont-ils conscients? Les morts sont-ils conscients? Non, avant de parler des morts, sont-ils conscients? Nous devons parler du séjour des morts. Hein? Parce qu'il y a l'expression le séjour des morts.
Et quand on nous parle du séjour des morts, nous pensons, par exemple, dans les traditions Betty, nous autres anthropologues, nous voyons dans des traditions la porte qui va dans le village des morts. Nous voyons, par exemple, l'épopée chez nous, les Etones. On a une très grande épopée, l'épopée de Njangazwa, qui est allée épouser une fille chez les Bekones. Hein, et la fille lui a donné le couscous et la suite. Vous savez ce qui s'est passé par la suite. Le colonel commence à dire parce qu'il connaît bien l'épopée. Est-ce que c'est une vérité? Chez nous, par exemple, à une certaine fréquence, qu'on battait les tam-tams, on appelait ça le ndan dans notre tradition. Quand on joue le ndan, c'est-à-dire le nom codé du défunt. Hein? Je crois que vous qui êtes des jeunes là, vous qui êtes Android là, vous ne connaissez pas vos ndan. Nous, on a des langues à ton. Une langue à ton veut dire que c'est une langue qui monte et qui descend, qui a deux tons. Par exemple, le tam-tam, ça fait tout, tout. Tout, ton, tout, ton, tout, ton. C'est deux tons. Et le béti fonctionne avec les tons, même dans son initiation. Si vous dites certains mots, ebon n'est pas ebon. Si vous changez l'intonation d'ebon en ebon, ça devient une autre chose. Hein? Ce sont les langues à quoi? À ton, ça dit que dès qu'il y a une variation, ça signifie une autre chose. Hein? C'est comme en Italie, si vous dites papa, ça veut dire le pape. Si vous dites il papa, ça veut dire le père. Si vous dites papa, c'est un macaron, celui qui conduit les prostituées dans certains milieux, un chef de la mafia. Vous voyez que c'est... Il suffit que le son change pour que la langue change. Nous, on a donc les ndan chez nous. Et le ndan, c'est faire parler le tam-tam, faire parler, donner au tam-tam son langage, comme des hommes. Hein? Moi, par exemple, mon ndan, mon nom dans le tam-tam, c'est kegege, kegege. Benangalekang, beketikjom. Hein? Quand j'entends ça sans le tam-tam, je sais que c'est mon nom qu'on est en train de m'appeler. Vous aussi, vous pouvez le faire. Vous êtes né en ville, le blanc vous a trompé. L'aliénation culturelle, personne ne sait rien. Nous avons nos traditions à nous. Nos grands-mères n'avaient pas besoin du thermomètre pour découvrir la grossesse d'une fille. Il suffisait qu'une grenouille entre dans la maison, la grenouille donnait le message. La maman posait la question, qui est enceinte ici? Encore. Il suffisait que quelqu'un ait un furoncle quelque part pour que le furoncle délivre le message. À chaque culture a ses langues et ses manières de faire. Voyez-vous? Donc je voulais vous dire que dans nos tribus à nous, les morts répondaient. Les morts répondaient aux sollicitations des vivants. Nous avons fait ces expériences. Quand on battait le tam-tam à une fréquence pendant les sanas, au moment du deuil, quand on tapait le tam-tam, tudum, 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 on posait la question aux morts et vous entendiez derrière que quand on dit, on finit de lire son dame, on l'appelle, il répond dans la forêt, il répond. Mais, est-ce que c'est vraiment le mort? Point d'interrogation. C'est de cela qu'il est question. Donc, maintenant, c'est quoi le séjour des morts? Nous, dans notre tribu, nous avons le séjour des morts. Chez nous, par exemple, il y a des chantes-fables qui étaient notre université chez nous. Le nègre, nous, on nous éduquait par des chantes-fables. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle en anthropologie la théorie des diffusionnismes, c'est-à-dire les traits culturels qui sont importés dans d'autres coins du monde. Par exemple, je vois une femme qui porte un jean qui se porte à New York. C'est le phénomène de quoi? De diffusionnisme, les cultures, les traits de culture qui se déplacent d'un état à un autre état. Je vois des femmes qui ont des beaux cheveux, mais qui portent des cheveux brésiliens.
parce que c'est le diffusionnisme. Je vois des blancs qui viennent en Afrique, dès qu'il a mangé le Mbongo Tchobi une fois, il va chercher le milieu camerounais à Paris pour manger quoi ? Le Mbongo Tchobi, ça c'est le phénomène de diffusionnisme. Mais avant ces choses-là, nous, notre école à nous, c'était des chantes-fables. Qui connaît les chantes-fables ? À une époque, on chantait, nous on appelait ça chez nous Minkana. Hein, vous voyez des enfants autour du feu hein, qui chantaient Kobi Songunan Apilan Anjang Bangangura, Kobi Songunan Apilan Anjang Bangangura Mbelkumunan, Anjang Bangangura Obeonan. C'est-à-dire, tu apprends la forêt, les oiseaux de la forêt. Onan, chez nous, c'est l'oiseau. Et les enfants, dès leur initiation, devaient connaître les noms de quoi ? De tous les animaux qui faisaient partie de leur environnement. C'était leur initiation. Ils devaient connaître tous les arbres qui faisaient partie de leur environnement et connaître les vertus de chaque arbre. Oh, aujourd'hui, nous vivons dans des villes. Ce qui fait notre économie, ce sont des arbres. Personne ne connaît rien des arbres. Ce qui fait notre économie, ce sont des animaux. Ce qui faisait notre force, c'était le contact avec la nature. Nous ne sommes ni en contact avec la nature, ni des blancs. Nous ne connaissons tout simplement à rien. Et c'est cela la grosse tristesse. Vous voyez donc que quand on revient ici, dans des choses comme la mort, les cultures, chaque culture a sa signification de la mort. Mais que dit Dieu au sujet des morts, du séjour des morts? Regardez en Matthieu 23. Cet enseignement, je crois qu'on va l'écourter. On va couper. Je sais que vous vous plaignez, mais on ne va pas passer toute la journée à faire l'enseignement. Vous voyez, vous y êtes, verset 25. Matthieu 23, verset 25. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe du plat et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Verset 26. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat afin que l'extérieur aussi devienne net. Malheur à vous, scribes et pharisiens, parce que vous ressemblez au sépulcre blanchi. Ça, c'est le séjour des morts, Sheol, Hadès. Au sépulcre blanchi, qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Ça, c'est le Hadès. C'est le Sheol. C'est ça l'habitation des morts dans la Bible. Contrairement aux bons villages, les villages qui sont les nôtres, le village des morts, dans nos épopées, le véritable monde de la mort, le voilà que Jésus-Christ montre. Hein? Nous soignons, nous entourons, mais l'intérieur est plein de quoi? C'est vrai que vous avez mis des slips dans les tombes des morts, parce que vous pensiez quoi? Qu'ils en avaient besoin dans l'au-delà? Mais en fait, un slip est spirituel ou matériel. Et le fantôme va porter quel slip? On est d'accord? Le fantôme, vous dites qu'il est esprit, mais vous lui cuisinez la nourriture parce qu'il ne mange pas là-bas lors des funérailles. Où sont les dents? Les dents sont où? Les dents sont où? Et puis, ce n'est pas tout. Quand on mange, on digère. Où sont les toilettes des morts? Ils vont digérer où? Et vous voyez, cela est passé dans nos cultures, dans nos intelligences, parce que quand nous mangeons, par exemple, dans nos tribus, vous offrez le vin, par exemple, au colonel, le président des hommes, vous offrez le vin, par exemple, à mon ami Tachinku. Il prend la bouteille, il ouvre. Quelle est sa première action? Il verse au sol pour dire quoi? Ngabetara, c'est-à-dire la part des morts. Donc vos morts ne boivent que par terre. Ils n'ont pas de table pour boire. Ils sont devenus terre. Et ils ne sont pas hygiéniques.
Dès que vous mangez un morceau de pain, vous êtes en train de manger, une partie tombe. Ah, beaucoup de non, les fantômes ont pris leur part. Ça passe dans les coutumes sans que les gens s'en aperçoivent. Ça passe. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres, le séjour des morts, qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements, de morts et de toute espèce d'impureté. Vous-même, vous de même au dedans, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Donc le séjour des morts, c'est la saleté, c'est la putréfaction, c'est la mort, c'est la désolation. Vous avez vu, nous avons construit des villages imaginaires et la théâtralisation est même grave. Lorsque vous voyez une femme souffrante qui est, on dit, on est en train d'enterrer ton mari, à Anna, viens dire à ton mari les derniers mots, à Yakwap, vraiment. Quand tu parles, il y a un fawak délai. Même si j'ai fait n'importe quoi ou quoi, j'étais manqué de respect, excuse-moi. À certains moments même, il a dansé des sana, que vous voyez dans nos danses traditionnelles avec les lances. C'était la danse de la guerre. On choisissait toutes les épouses qui avaient été infidèles à leur mari. On les décapitait, on les mettait dans les tombes pour aller servir leur mari. C'est pourquoi quand aujourd'hui les gens ont des lances, on dit « Krr, adjoube, hé, ils marchent avec des lances, tuk, 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 tuk. » Ils dansent, ils ne savent même pas pourquoi ils dansent. C'était la danse du guerrier et il était farouche. Et ils avaient des machettes, ils avaient des fouets, ils bastonnaient tout ce qui avait été déshonnête. Et c'était une danse de victoire de la mort sur la vie. C'est pourquoi toutes les veuves redoutaient. Parce qu'on les choisissait, on les égorgeait, on les jetait dans la tombe avec le mari. Mais aujourd'hui, quand on dit, on n'a pas dansé les sanes à son deuil, tout le monde est fâché. Mais si vous leur posez la question, c'est quoi les sanes? Ils vous diront, nous avons vu nos pères faire comme ça. Vos pères marchaient sans caleçon. Pourquoi vous ne marchez pas sans caleçon? Vous voyez que la culture est plastique. Elle mue. Les hommes restent avec les vieilles habitudes alors que les contextes sociaux ont totalement changé. Il n'y a plus le rituel de guerre, le saut, l'initiation à la guerre, l'initiation militaire bêtie. Le saut, il n'y a plus. Il n'y a plus le mot vungu. L'initiation femme des dames, il n'y a plus. Et pourtant, les rituels, les rites qui étaient préparatoires à ces grands rites, on continue à les pratiquer sans connaître la signification. Mesdames et messieurs, la Bible dit que les morts sont comment? Que le séjour des morts est comment? C'est un lieu d'inconscience et de désolation totale. Waouh! Ah, si j'enseigne ça, on va même m'égorger. Hein? Prenez le psaume 146, 4. 146, 4. Psaume 146, 4. Ça dit quoi? Les morts, leur souffle fait comment? Et, et ce même jour, leur dessein périsse. Ça, c'est le point de vue de Dieu. Ça n'a rien à voir avec le point de vue des hommes. Les hommes aiment bien fabriquer des doctrines qui leur sont très agréables. Ils aiment fabriquer ça. Ouais. Prenez le psaume, je crois, 89, 49. Psaume
89 49. Vous y êtes? Ça dit quoi? Hein? Qu'est-ce que ça dit? Voilà. Y a-t-il un homme qui puisse vivre et ne pas voir la mort, qui puisse sauver son âme du séjour des morts? Sheol. Sheol. C'est clair? Psaume 16, 10. Psaume 49, j'ai dit 16, 10, non, car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, Sheol. Tous les prophètes avaient peur de quoi? Du Sheol, parce que le Sheol, c'est la mort. Prenez Job 21, 13. Vous y êtes? Ils passent leur jour dans le bonheur et ils descendent à un instant au séjour des morts, Sheol. On est d'accord? Vous y êtes? Vous voyez? Psaume 49, 13 et 15. Mais l'homme qui est en honneur n'a point de durée. Il est semblable aux bêtes que l'on égorge. Verset 15. Comme un troupeau, ils sont mis dans le séjour des morts, Sheol. La mort en fait sa pâture. Dois-je encore vous montrer? Dois-je encore continuer à montrer pour ce qui est du séjour des morts? Regardez encore, psaume 6. Psaume 6. Vous y êtes? Nous évoluons vers... nous avons dit que la mort est la fin, le séjour... Les morts sont-ils conscients dans le séjour des morts? Les morts sont-ils conscients dans le séjour des morts? C'est le troisième point. Nous avons dit que la mort est la fin de l'existence de l'homme. Les dictionnaires la définissent comme la fin de l'existence terrestre de l'homme, mettant de l'emphase sur le mot terrestre, ce qui suppose qu'on peut vivre dans une autre dimension, mais la Bible démontre que c'est la fin de l'homme. C'est le mouvement contraire à la vie. Et nous pouvons voir dans la Bible la suite, hein, la suite avec le psaume 6, 5. Psaume 6, 5. Psaume chapitre 6, verset 5. Vous y êtes. Aujourd'hui est un dimanche spécial. Reviens, Éternel. Quoi? Délivre mon âme. Délivre-moi à cause. Sauve-moi à cause de ta miséricorde. Verset 6. Car celui qui meurt n'a plus ton souvenir. Qui te louera dans le séjour des morts? Celui qui meurt, il fume des cigares avec Dieu. Il est en enfer. Il est au purgatoire. N'est-ce pas? Dans l'antichambre du ciel. Il faut prier pour lui pour qu'il monte au ciel. Hein? Je parle à ceux-là. Je ne m'adresse pas à eux. Je parle à leur doctrine. Hein? Il y a même les jours, la Toussaint, les jours des morts. Il faut prier pour eux pour qu'ils aillent au ciel. Mais que dit Dieu? Celui qui meurt n'a plus ton souvenir. Qui te louera dans le séjour des morts? Dans le séjour des morts, le Sheol, nous avons vu qu'il y a quoi là-bas? Rien. C'est l'impureté. Ce sont des eaux. C'est la saleté.
Et pourtant, nous avons développé le culte des morts pour faire croire aux gens que celui qui meurt va chez Dieu. Mais la parole de Dieu est cruelle. Non, elle ne l'est pas du tout. C'est parce que nous avons étudié la rhétorique de nos églises sans jamais vérifier la véracité de ce qu'on a dit dans les Écritures. Et maintenant que nous lisons des Écritures, qu'est-ce que nous découvrons? C'est totalement contraire à toutes les doctrines qui sont montées. Les gens font des grands sermons. Dieu a besoin de quoi au ciel? Un servant au ciel. Non, l'agriculteur a coupé son bananier. L'agriculteur a fait quoi? Il avait besoin des mains au ciel pour le servir. Non. Acte combien? Acte 17, à partir du verset 24. Nous pouvons lire. Hein, mes frères, ne me jugez pas. Jugez les paroles de Dieu. C'est la parole de Dieu qui dit. N'allez pas dire que là-bas on enseigne que les morts sont morts parce que vous aimez votre tradition. Il est écrit. Je n'ai enseigné rien d'autre que ce qui est écrit. Vous aussi allez lire et vérifier. Nous étions dans quoi là? Acte 17, 24. Je voudrais lire Acte 17, 24. En Acte chapitre 17 au verset 24, voici ce que dit l'apôtre Paul. Verset 24, je cite. Le Dieu qui a fait le ciel, qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples faits de main d'homme. Toutes vos églises, vous avez dit de loin, c'est quoi là-bas la maison de Dieu? L'apôtre Paul dit que Dieu n'habite pas où? Dans les temples faits de main d'homme. Dans cette administration, Dieu habite où? En nous. Christ en nous. Christ où? En nous. C'est pourquoi vous êtes des privilégiés. Il n'habite pas dans les temples faits de main d'homme. Il n'est point servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il n'est point comment servi par quoi? Par les mains humaines. Cessez de blasphémer. Cessez de dire que Dieu a pris votre enfant parce qu'il avait besoin d'un serviteur au ciel. C'est clair ou c'est pas clair? Hein? C'est clair ou c'est pas clair? Donc Dieu n'habite point les temples faits de main d'homme. Il n'a pas besoin de tuer, de prendre des gens au ciel parce que il a besoin de serviteurs au ciel. Si tel est le cas, Dieu aurait assuré la relève. Dieu aurait fait de la mort, il aurait assuré la relève parce que en prenant le mari, il faut bien qu'il laisse de l'argent à la femme pour qu'elle reste éduquer les enfants. Or, les gens partent souvent sans même avoir eu le temps de dire là où était caché l'argent de ration. Quel est ce Dieu-là? Il est pire que le diable. Celui qui prend et de quelle manière la tête fendue? Et de quelle manière la tête coupée? Les intestins dehors? Dieu avait besoin de lui au ciel. Lequel d'entre vous donnerait une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Et pourtant, vous dites que Dieu vous prend. Et de quelle manière? Ne peut-il pas prendre les gens tranquillement? Il faut d'abord que je souffre pendant 5 ans, 20 ans, pour qu'ils me prennent enfin. Waouh! Un sadique. Vous savez ce qu'on appelle le sadisme? C'est quelqu'un qui prend plaisir à voir le mal. Il ne jouit que lorsque l'autre crie. Yeah! Là, il dit oui, oui, oui. Mais c'est de cela qu'il est question. De quel Dieu parle-t-on? Du diable ou du créateur des cieux et de la terre? Vous voyez, on a fait de Dieu un diable qui est revêtu d'étoffes belles. Il tue et pourtant personne ne le critique. Il arrache les bébés, personne ne le critique. Il arrache une femme à un homme qui va se suicider demain et personne ne le critique. Il organise les guerres pour prendre des centaines de milliers de personnes et personne ne le critique. Et tout le monde envoie les gens au ciel chez Allah. Mais quelle foutaise! Oh! On a l'impression que les hommes ne réfléchissent pas et qu'ils boivent tout simplement les idéologies.
Quelqu'un accouche son fils meurt. Il est debout, il voit comment on enterre son fils. Il peut avoir une crise cardiaque et Dieu dit quoi au ciel? J'ai pris mon serviteur, mais c'est un menteur. Quel Dieu, de quel Dieu parle-t-on? Le Dieu qui, quand il prend quelqu'un, la femme reste. Le Dieu qui dit de ne pas se prostituer, oblige les femmes à devenir quoi? Des prostituées parce qu'il a eu à prendre le mari et que les enfants sont restés seuls, ils deviennent des bandits et c'est le même Dieu qui dit quoi? Il n'aime pas le banditisme. Qui a organisé, comme disait Cancan? Qui a organisé? Vous voyez donc toute cette histoire, ce n'est qu'un montage. L'homme se projette dans ce qu'il croit et ce qu'il pense. Il fabrique des montages. Dieu dit qu'il ne connaît pas la mort. Dieu dit qu'il n'est pas l'auteur de la mort. Dieu dit que la mort est un ennemi. En Corinthiens, chapitre 15, verset 26, je cite, « Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. » Le dernier quoi? Qui sera comment? C'est qui? Oh! Dieu détruit la mort, alors quel est le chemin qui nous amène à lui? Quelle dichotomie! Quelle opposition! Quelle aberration! La mort nous mène à Dieu. Et Jésus-Christ dit quoi à ses disciples en Jean 10? En Matthieu 10. Regardons. Regardons. Matthieu 10. Verset 8. Matthieu 10. Matthieu 10, 5. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez prêcher et dites le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts. Jésus dit quoi? Ils ont remplacé ça par quoi? Dites les messes de requiem. Envoyez les gens au ciel. Pendant que Jésus dit quoi? Ressuscitez les morts. Purifiez les lépreux. Chassez les démons. Est-ce que les gens chassent les démons? Oui ou non? Ils guérissent les malades? Oui ou non? Pourquoi ne ressuscitent-ils pas les morts? Et ont fabriqué plutôt des rituels pour remplacer quoi? La résurrection des morts. Parce que c'est Dieu qui prend au ciel. Foutaise. Double foutaise. Gnognogno. C'est comme ça. Alors, chers frères et sœurs, si vous avez un parent qui est mort, Dieu n'est pas l'auteur de la mort. Dieu ne tue personne. Celui qui est l'auteur de la mort, le voici, Hébreux 2, 14. Hébreux 2, 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au chant et à la chair, tous les enfants sont fabriqués par la chair de la mère. Ils restent dans le ventre de la mère. Et la vie dans leur corps est la vie du Père. La vie de Jésus était celle de Dieu. Et la chair qui a formé Jésus dans le ventre était celle de Marie. Puisque les enfants participent au sang et à la chair, il, Jésus-Christ, y a également participé lui-même. Il a participé à moitié. Ça, c'est Metteko. Ça, c'est la figure, quoi? Antanaklasis. Tous les enfants ont deux parties. L'un prend le père, l'autre prend quoi? La mère. Mais participer ici, c'est koinoneo en grec. Et le deuxième participer, c'est metteko. Ça dit qu'il a pris une partie. Quelle partie? La partie de la mère. Parce que lui, il est né non du père physique. Il est né d'un père spirituel et d'une mère comment? Physique. Il y a également participé. Pourquoi? La suite du verset dit, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Afin que par la mort, il anéantisse qui? Celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire quoi? C'est moi qui dis, selon toutes les églises, qui a la puissance de la mort? Je veux entendre
selon toutes les églises, qui a la puissance de la mort. Mais que dit la Bible en hébreu? Qui a la puissance de la mort? Donc, tu vois donc que ceux qui envoient les gens à Dieu, ça me dit, oublie de dire à quel Dieu ils envoient les âmes. Le Dieu qui est le Père de Jésus-Christ ou le Dieu qui est le diable. Vous voyez? Ces connaissances peuvent parfois valoir la mort à certaines personnes. Parce que nous venons détruire ce qui a été établi, ce que les hommes ont conçu pour vrai. Nous venons leur montrer que ce n'est pas vrai. Et nous le leur démontrons à travers les Écritures. Saviez-vous que jusqu'à une certaine époque, on interdisait la lecture de la Bible? Elle était interdite. Des gens ont été brûlés au feu parce qu'ils ont lu la Bible. Vous vous souvenez de l'époque des Inquisitions où on faisait la chasse aux sorciers. On brûlait les gens parce qu'ils ont lu la Bible. Et je rends grâce à Dieu parce qu'aujourd'hui, nous pouvons lire la Bible. Nous pouvons la lire. Elle est même là où, dans les lieux inimaginables, quand vous allez faire les mauvaises choses quelque part, je ne vous dis pas où, dans les hôtels, vous trouvez la Bible au chevet. Et c'est formidable que cette Bible qui est la parole et la volonté de Dieu révélée ne soit pas lue. Et pourtant, la délivrance est là, dedans. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment quoi? Mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité fera quoi? Elle vous affranchira. Voici la vérité qui affranchit des doctrines inventées par l'homme pour asseoir sa domination dans les vies des autres. La mort ne glorifie pas Dieu. Regardez Ecclésiaste, le séjour des morts. Ecclésiaste chapitre 9. Ecclésiaste chapitre 9. Ecclésiaste chapitre 9 et au verset 4. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Quoi? Un chien vivant vaut mieux quoi? Qu'un lion mort. Ça veut dire que tout ce qui est fait post-mortem, après la mort, ne sert à rien. Puisque Dieu dit qu'un chien vivant vaut mieux qu'un lion. Je ne veux pas attaquer les uns et les autres. Vous avez des oreilles pour comprendre. Un chien vivant vaut mieux que quoi? Un sous-pasteur vaut mieux qu'un pasteur mort. Un croyant vaut mieux qu'un pasteur mort. Hein? Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Hein? Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Les morts ne savent rien. Dis à ton voisin. Je n'ai rien entendu. Les morts ne savent rien. Voilà. Les morts ne savent rien. Il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Ils ont oublié. Moi, j'ai vu ça. J'ai vu ma mère prête à mourir. Elle a fait un mois dans le coma. Et quand elle en est sortie, il n'y avait plus rien dans sa tête. C'est comme si le disque dur de l'ordinateur était effacé. Et elle passait son temps à dire à maman Monique et à moi, « Porte-moi, porte-moi. » Elle était rentrée à l'époque du bébé. « Ma, porte-moi. » Et « Papa, porte-moi. » Et c'est terrible. Quand ta maman, tu vois la voix s'éteindre et finir par te dire quoi? « Porte-moi, elle qui t'a porté. » Elle n'a fait que combien de temps? Un mois dans le coma. Imaginez-vous l'éternité dans la tombe. C'est pour cela que quand ma femme me dit, tu travailles trop, Belibi, je lui dis qu'il y a un temps fou à attendre dans la tombe. Donc, tant que je peux travailler, je travaille. Il y a un temps fou à attendre dans la tombe. Mais ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. C'est pas vrai, ça c'est la logique humaine. Le temps n'existe pas pour le mort. Le temps n'existe pas pour le mort.
Et je peux vous le démontrer. Prenez par exemple Genèse 1, 14. Genèse 1, 14. Genèse 1, 14. Dieu dit, je cite, qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Des signes pour marquer quoi? Les époques, les jours et les années. Ce sont les astres qui nous permettent de compter le temps. Est-ce que sous la terre, il y a les astres? Hein? C'est dans la conscience qu'il y a la notion du temps. Hein? Nos traditions disent que les morts sont vivants. La plupart des églises prêchent aussi cette survie-là. Mais dans l'entendement du mort, hein, le mort en Christ, entre le moment où il meurt et le moment où il réouvre les yeux à la résurrection, il ne se passe pas plus d'une seconde. Je me fais comprendre? Il aura passé 2000 ans dans la tombe. Ça, c'est les vivants, les générations qui vivent sur terre, qui voient qu'il a passé 2000 ans. Mais pour lui, qui ne connaît rien, entre le dernier instant où il a perdu conscience et le prochain instant où il reprend conscience, il ne se passe pas une seconde. D'accord? Applaudissez pour cette vérité-là. Donc, nous n'attendons pas au purgatoire. Nous n'attendons pas. Puisque nous sommes inconscients. C'est ça. Pour nous, c'est ça. La mort, le réveil. Regardez mes yeux. Fermé, c'est quoi? C'est quoi? Mais le temps qui passe entre ça et ça, le mort n'en est pas conscient. Ce sont ceux qui sont vivants qui sont conscients que papa a passé 50 ans ou 1000 ans dans la tombe avant de se réveiller. Mais le mort lui-même, c'est une histoire d'une seconde. Il ferme les yeux et il les réouvre pour voir Jésus-Christ ou pour voir le grand trône blanc qui va le juger. Parce qu'on dit que la mer va renvoyer les morts. Ceux qui sont morts dans les cieux, les astronautes décomposés, les cieux vont renvoyer les morts. Tous iront là-bas et ce serez vous les juges. Ça, on va parler de ça à la résurrection. On ne peut pas continuer, sinon on va rester là pour 2 heures de temps encore. La suite sera dimanche prochain. Mais avant de terminer, si vous voulez, dimanche prochain, sinon on arrête ce dimanche, et dimanche prochain, on recommence un autre thème. Mais ce dimanche, j'ai voulu spécialement qu'il soit là pour consoler ceux qui ont perdu leur père, leur maman, et ces vérités, est-ce qu'elles vous rafraîchissent? Elles vous rafraîchissent? La résurrection des morts va vous rafraîchir davantage, parce que vous serez certain que vous allez revoir ces personnes qui sont parties. Hein? Revenons à Ecclésiaste. Nous étions en Ecclésiaste 9, n'est-ce pas? Voilà. Et Ecclésiaste 9 dit quoi? 9. Les vivants, en effet, ne savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée, et leur amour, et leur haine, et leur envie ont déjà péri. Et ça, c'est vrai. Parce que personne, s'il était vivant dans l'au-delà, ne permettrait qu'on viole sa femme ou qu'on maltraite sa femme comme les gens restent souvent écrasés. Les femmes que les maris aimaient, adoraient même, on les piétine. Le type sortirait avec la machette. Hein? Il sortirait avec la machette pour dire quoi? Laissez, arrêtez. Il voit comment on vole ses richesses, comment on piétine les bébés, les enfants qu'il aimait, qu'il voit, il regarde. Non, même Dieu là, c'est un cruel. Et il n'intervient pas, hein? Il est muet. Il est muet, comme quelqu'un a dit, non, Dieu est trop occupé au ciel. C'est Mamadou Aïdjo, hein? Dans sa chanson, Zamba nous occupé au... Ah, Dieu est occupé. Go bombo, ne fais pas le mal. Mon père m'a dit ne fais pas le mal. Parce que si tu aimes la femme d'autrui, on va te jeter le sort. Si tu restes avec l'argent d'autrui, on va te tuer. Parce que les choses du monde finissent dans le monde.
Et Dieu est trop occupé au ciel. Ça, c'est Mahaïdjo Mamadou. Et c'est un grand philosophe qui réfléchit énormément quand il parle. Vous voyez. Et leur amour, et leur haine, et leur envie ont déjà péri. Et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Ils n'auront plus. C'est terminé. Ils sont dans le Hadès, le monde de l'inconscience. Tout ce que vous organisez là, c'est pour les démons, les êtres spirituels diaboliques qui viennent de l'au-delà et qui prennent la place des morts. Pourquoi? Parce qu'au jardin d'Éden, Dieu a dit quoi, Adam? Tu mourras. Et Satan a dit quoi? Tu ne mourras pas. Qui est-ce qui a intérêt à ce que les morts vivent après la mort? C'est Satan. C'est lui qui doit démontrer que les morts sont vivants. Parce que Dieu a dit qu'ils sont comment? Morts. Que quand Marie sent mauvais, au lieu qu'on le mette dans le cercueil, on enterre, on dit qu'on attend, on va envoyer son âme au ciel. Et que dit Dieu? Verset 7. Va! Mange avec joie ton pain et bois gaiement ton vin. Hey, ne bois pas. Ne touche pas. Aïe. Hey, nos amis et frères qui sont là dans l'église à côté. Allez ici. Fornication. Faut pas manger. Dieu n'a pas dit de ne pas boire. Dieu a dit ne t'enivre pas. Et Dieu a dit le vin est moqueur. Quiconque en fait un usage abusif n'est pas sage. Proverbe 20. Verset 1. Voici Dieu qui dit, va, mange avec joie ton pain et fais quoi? Bois gaiement ton vin. Ok. Tu travailles l'argent, on t'empêche même de boire. Le peu qui peut réjouir ton cœur, car dès longtemps, Dieu prend plaisir à ce que tu fais. Et voici ce que Dieu te conseille. Qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs. Sois beau. Fais-toi beau. Taille ta barbe. Cesse de laisser les machins là comme les moustaches du chien. Taille la barbe. Sois beau. Habille-toi correctement. Sois belle. Pourquoi? Et que l'huile ne manque point sur ta tête. Soigne ta tête. Fais la joie de ton mari. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes. Comment? Hein? Quoi? Bon. Pendant tous les jours de ta vie de vanité que Dieu t'a donné sous le soleil. Pendant tous les jours de ta vie de vanité, car, c'est quoi? C'est ta part. C'est ta part dans la vie. Même nos pères savaient ça. Mourate que Vedam a dit. Vedam. L'homme ne part qu'avec ce qu'il a mangé, qu'il a bu. Tu as construit une belle maison, les gens là décident que non, tu vas maudire la maison que toi-même tu as construite. On met ton cercueil dehors. Et un connard qui n'a jamais travaillé, qui a tout mangé son argent, vient gérer ta maison. Et il passe à tabac ta femme. Il fait la loi à tes enfants. Non, je vais sortir de la tombe. Faites ça! Non, là Dieu va me donner la vie. Ne faites pas ça. C'est la méchanceté. Quelqu'un qui n'a jamais travaillé, qui n'a jamais fait d'efforts, il n'a fait que manger, boire, coucher. Il vient prendre ta femme. Il prend ta maison. Il prend tes biens. Il maltraite tes enfants. Non, je vais sortir de la tombe. Voyez-vous? Car c'est ta part dans la vie au milieu de ton travail que tu fais sous le soleil. Tout ce que ta main trouve, dis à ton voisin. Tout ce que ta main trouve à faire, avec ta force, fais-le. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Ouais, regarde donc. Regarde ce que Ecclésiaste dit au verset 12 à la fin du discours. Verset 12, chapitre 12, verset 15.
Écoutons la fin du discours. Malgré tout ce que Dieu t'a dit, écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Tu as joui de la vie avec la femme que tu aimes? Oui. Pourquoi, Belibi? Parce que j'aime ma femme. Est-ce qu'il n'y a pas des moments où tu lui as cassé l'œil? J'ai même cassé la bouche parfois. Devant le trône de ta grâce, les yeux où? Dans les yeux. Il faut être conscient de ce que tu fais. Et assumer. C'est de cela qu'il est question. On a souvent dit, le révérend Belibé enseigne le péché et la licence. Je n'enseigne pas le péché et la licence. J'enseigne la liberté dans l'ordre et la bienséance. J'enseigne quoi? La liberté et l'ordre dans la bienséance. Voilà. Il y avait plein de pentecôtistes ici qui ont cru qu'on était pentecôtistes. Nous n'avons rien contre eux. Ils ont amené les lois aux enfants. Ne touche pas, ne goûte pas, ne fais pas. Les gars ont vécu en prison. Ils ont dit même que les gars étaient des adultères. Mesdames et messieurs, depuis 3 ans, combien de mariages se sont-ils passés dans cette église? Pourquoi? Parce que les gens ont compris qu'ils sont libres et qu'ils doivent faire le bon choix. Ils ont choisi de se marier au lieu de forniquer. Sont-ils encore des fornicateurs? Qui vous a dit qu'on devient saint en une journée? Le processus de sanctification est un don de Dieu. Le changement est une œuvre de prise de conscience et de décision personnelle de confronter ses propres erreurs pour devenir meilleur. Nous servons Dieu dans la liberté. Dieu n'est pas un second Satan. Pour que le chrétien soit entre le marteau et l'enclume. Vous fuyez Satan qui vous pourchasse avec la machette. Vous trouvez un Dieu pentecôtiste qui a une hache. Je vais te frapper. Je vais te. Non, notre Dieu n'est pas comme ça. Notre Dieu est amour. Et on ne combat pas la faute avec la faute. On combat l'amour avec quoi? On combat la haine avec quoi? L'amour. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. La suite, dimanche prochain, si vous voulez. On continue, on ne continue pas. Non, moi, j'ai rien entendu. Alors, à dimanche pour la résurrection des morts. Que Dieu vous bénisse. Bien, je vais demander au diacre. Les anciens vont prier, ils vont oindre. Tous ceux qui ont perdu quelqu'un qui leur était cher seront oints. Les dames. Les enfants, je n'ai pas dit toute l'église. Cette onction est dirigée essentiellement vers qui? Ceux qui ont des douleurs parce qu'ils ont perdu une maman, un père, quelqu'un qui leur est cher. Cette onction va leur amener la paix. C'est pour cela que nous allons le faire tout à l'heure après. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Père éternel et tout-puissant, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ces moments très agréables que nous avons passés ensemble. Bénis notre départ comme tu as promis. Bénis notre arrivée comme tu as promis. Nous savons que Christ en nous nous met à l'abri des œuvres de l'adversaire. Mais nous sollicitons aussi nos anges gardiens pour assurer notre sécurité tout au long de notre vie. Merci Père pour l'enseignement d'aujourd'hui. Et nous ne pouvons que te demander de bénir, puisque tu nous as déjà bénis de toutes sortes de bénédictions, que ces bénédictions commencent à se matérialiser physiquement. Nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Allez dans la paix du Seigneur. Dieu l'a dit. J'ai dit de prospérité. N'oublions pas.